Les amis, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la finesse d'esprit. Il est vrai, dans notre vie, nous avons toutes et tous rencontré des personnes que nous admirons de par leur finesse d'esprit face à telle ou telle situation. Mais qu'est-ce que la finesse d'esprit? La finesse est dérivée du latin fine et esse, être fin. C'est la qualité de ce qui est fin, délié, menu. Autrement dit, la finesse d'esprit, c'est la qualité d'une personne dotée d'un esprit de perspicacité, de subtilité et de discernement. Mais alors, quelle est la force de la finesse d'esprit? La Bruyère affirme, avec les gens qui par finesse écoutent et parlent peu, parlent encore moins. Et si tu parles beaucoup, dis peu de choses. Les amis, c'est ce que je vous souhaite durant cette nouvelle semaine, que votre finesse d'esprit soit la clé du silence qui écoute et qui se laisse écouter pour comprendre et résoudre avec discernement toute situation. Alors, belle semaine à vous, bon courage, à bientôt, ciao, ciao.